Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul action des sœurs Green. Ah, je bug. Farfouille. Voilà. Excusez-moi. Je viens d'arriver et je dois me dépêcher puisqu'après, je dois aller chercher le petit au travail. Donc du coup, voilà. Donc je fais ça rapidement. À Action, j'ai pris une toile comme ceci. Voilà, elle fait 24 sur 30 et je crois qu'elle était à entre 1 et 2 euros. Et j'ai aussi pris celle-là qui fait 29 sur 29 mais qui est plus épaisse. Voilà, j'aime bien les toiles comme ça, grandes. Pareil, hein, c'était dans les 2 euros. Ensuite, j'ai trouvé à nouveauté, ou alors je les avais jamais vu, des comment ils appellent ça, des rubans. Voilà, donc bon, ça c'est pas pour ça que je l'ai pris, c'est pour ça. Voilà, vous me connaissez et tout ce qui est Paris, ben, j'adore. Voilà, ça c'est pour ça que je l'ai pris en fait. Et ça, non, j'aime pas, mais bon, ça pourra servir à quelqu'un. Je crois que c'était dans les 50 centimes, un truc comme ça. Et j'ai aussi pris celui-là. Ah non, c'est le même. Oui, voilà, je l'ai pris en double. Puisque comme je dois faire la déco de la maison, du coup. Il me semble que j'en avais pris un autre. Bon. Je sais pas. Ensuite, j'ai pris des étagères d'angle comme ceci. Je les avais vues il y a très longtemps. Je les avais pas prises parce que ben, je voyais pas l'utilité vu l'état de ma maison. Sauf que là, du coup, ça va très bien dans le style que je fais. Et voilà, elles c'était à moins de 3 euros. Je crois que c'est 2,50. Voilà, j'en ai pris 4. Je vais la sortir quand même. Donc, ça se présente comme ceci en fait. Voilà, donc là, on a le crochet. Et ça s'accroche comme ça. Voilà. Donc ça, j'en ai quatre. Ensuite, j'ai trouvé des porte-manteaux comme ceci. Alors, à mon avis, bah, je vais les repeindre en blanc. Voilà. Ou en gris. Ou... Non, je pense que je vais les peindre en blanc. C'est parce que je les ai trouvés très bien pour la chambre. Pareil, ça devait être dans les 2 euros. J'en ai pris deux, un pour le côté de mon mari, un pour mon côté. Voilà. Donc, il y a beaucoup de déco ou de trucs pour la maison en fait. Ensuite, j'ai pris des coupons comme ceci. Voilà, j'en avais besoin. Ils ont disparu, les miens. Donc ça, c'est 99 centimes ou 2 euros. Voilà, pas plus. C'est vraiment pas cher. Et du coup, j'ai pris un lot de chiffon microfibre comme ceci. Donc c'est pour la maison. Il y a pour les vitres, il y a pour la poussière. Enfin, voilà. Donc on a 5 sortes de chiffons. Là, bah, c'est pour le mix média. Et accessoirement, ça, par exemple, pour la maison. Ou... Voilà. C'est parce que ça revenait moins cher d'acheter le lot que de les acheter un par un. Ensuite, j'ai pris du les savons, là, les désinfectants pour les WC. Voilà. Toujours pareil. C'est le même. C'est à 1,39€. Et j'ai pris de la sauce algérienne. Mon mari adore cette sauce. Donc, du coup, voilà. Il en avait plus. Donc, je lui ai pris ça. Ça, c'est pareil. C'est moins de 2 euros. J'ai pris du Ceiling Bang pour nettoyer. Parce que tout simplement, j'en avais plus. Ça, c'est 2 euros. 49, un truc comme ça. Donc voilà, ça.
C'est pareil que de l'acheter ailleurs, ou peut-être un peu moins cher, mais c'est surtout parce que du coup j'y étais et ça m'évitera de l'acheter aux prochaines courses. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté de la dentelle comme ceci. Donc c'est de la large. Donc là, il y a 3 mètres dans celle-là. Celle-là, c'est de la fille. Enfin, moyenne. Je sais pas si vous voyez. Et celle-là, c'est de la large. Et là, il y a 2 mètres. Voilà, 2 mètres, 3 mètres. Je crois que dans les fines, il y a 5 mètres, il me semble. Pareil, ça, c'est dans les 99 centimes. J'ai pris des Bounty. Voilà, ça, c'est mon péché mignon. J'avais faim, donc du coup j'en ai pris. Le prix, je sais pas, j'ai pas fait attention par contre. J'ai repris des gants comme ceci, puisque j'en avais pris pour le mix média, mais du coup on s'en est servi pour les travaux. Donc j'en ai plus, et ça c'est moins d'un euro. Je crois que c'est 80 centimes, un truc comme ça. J'ai repris des pinceaux larges comme ceci, parce que pour faire les tableaux, ce sera plus facile. Donc voilà, ça c'est 99 centimes. Ensuite, alors, je vous en montre qu'un, mais j'en ai pris quatre. J'ai repris des cadres comme ceci. Voilà, donc moi, ben, du coup, c'est pour la déco de ma maison, parce que du coup, plutôt que de faire avec les toiles, je pense que je vais faire par exemple tout mon couloir. Je vais faire la déco là-dessus. Comme ça, on aura tout le même encadrement. Ça, c'était 3,50, je crois. Et j'en ai pris plusieurs avant qu'il n'y en ait plus. J'en avais déjà un que j'avais pris la dernière fois. Donc voilà. Et du coup, j'ai tout mélangé, je suis désolée. Donc, pour les enfants, j'ai pris les skittles là, ou je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, ils adorent ça. C'est 1,20 euro, un truc comme ça. J'ai racheté des cutters comme ceci. Parce que du coup, mon mari m'a piqué tous mes cutters que j'avais à l'atelier, que j'avais pris pour faire le cartonnage et tout ça. Donc du coup, je les ai repris. Le prix, pareil, 99 centimes, moins de 2 euros, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai pris des charnières comme ceci. Ben, c'est pour le steampunk. Voilà, ça c'était 99 centimes. Ensuite, j'ai pris un cadre comme ceci. Il est travaillé. Voilà, ça c'était 2 euros je crois, et bah, pareil, c'est pour faire la déco. Donc sûrement je vais le retravailler à ma façon. Ensuite, j'ai pris de la peinture comme ceci, donc c'est couleur top. Voilà, puisque ma chambre est dans les est grise, la tapisserie, et je vais faire un mélange de gris, gris anthracite, top et blanc. Voilà, donc ça c'est pour la déco. C'était 5 euros, donc 4,99 je crois. Il me semble que c'était en promo cette semaine, c'était à l'entrée. Et pour finir à Action, je crois, ouais, j'ai pris une poignée comme ceci. Ça c'était 5 euros, 4,99 €. Donc voilà, c'était la dernière. Donc voilà. Ça, c'est pour les toilettes. Voilà. C'est tout. Ensuite, la farfouille. J'ai pris des mousses comme ceci pour peindre. Voilà. Et coller de papier de riz, tout ça. Voilà, je ne sais pas ce que ça vaut. Ça, c'était 99, 1 euro. 1 euro pile.
Ensuite, j'ai pris du sanitol comme ceci, désinfectant, désodorisant pour les chaussures. Ça, c'était 2,50 et ben, moi, j'aime bien ce produit. Voilà, je trouve que ça sent très bon. Et du coup, j'ai pris aussi celui-là pour le linge. Moi, je m'en sers tout le temps. Pareil, c'était dans les 2,50. Ça désinfecte le linge. Voilà. Et j'adore celui-là. En plus, ça sent super bon. Et c'est vrai que quand, ben, comme moi, on a un mari et un fils carrossier, mécano, tout ça, on aime bien désinfecter le linge, même si on le fait bouillir. Moi, j'aime bien. Voilà. Ah oui, et j'ai pris de la peinture grise, un tube comme ceci. C'était 1,99€. Voilà, c'est de la peinture acrylique. Il y a 75 millilitres. Et voilà la couleur. Donc, j'ai pas. C'est parce que j'ai pas pu aller à Cultura. Et bon, franchement, c'est pareil quoi. C'est vrai, j'avais pas une grille comme ça. Chez les sœurs Grimm, j'ai trouvé ceci. Donc là, c'est des flacons et on peut visser les embouts mousse. Je trouve ça très bien, ça peut servir. Et ça, c'est 2,72€. Donc voilà, où on peut faire des mélanges là-dedans et après mettre la mousse dessus. Je trouve que c'est pas mal. Donc, à tester. J'ai pris pour 3,44€ une trousse comme ce... Enfin, c'est pour le sac, mais moi, c'est pour la maison. J'ai pris un petit nécessaire comme ça, une petite trousse de... On a les ciseaux, le coupon, une pince à épiler. Bon, voilà. En fait, j'avais besoin de petits ciseaux. Et de coupons, j'ai trouvé les coupons d'action mais pas les petits ciseaux, donc du coup j'ai pris ça. J'ai dit ça ira très bien. Ensuite j'ai pris une bougie comme ceci que j'ai payé, je sais même pas si j'ai payé 50 centimes, une bougie blanche. C'est pour, vous savez, passer sur les peintures pour après repeindre dessus et faire un effet vintage, voilà. J'ai vu des Américaines le faire ou des Espagnoles, je ne sais plus, il y a un petit moment. Et donc, j'avais retenu avec la bougie. Ça évite d'investir ben, dans tout ce qui est cire exprès, tout ça. Donc, je vais le tester et on verra ce que ça donne. Je n'ai jamais fait, donc voilà, ça. Et puis, je crois que c'est tout. Ouais. Je vais juste vous montrer vite fait ce que j'ai pris à Maison du Monde. Donc, j'en ai pris deux. C'est pour ma chambre. Et c'est des appliques. Alors, vous n'allez pas le voir. Hein. Voilà, c'est des appliques. Voilà. Donc, toute la déco de la chambre sera dans ce style-là. Bien sûr, après, arrangé à ma sauce. Style, bien sûr, ce sera sur le thème de Paris aussi. Paris, la couture, enfin, un peu ce style-là. Mais dans ce style, moi, pour rire, je l'appelle chic, mais voilà. Et ça, je l'ai payé 22€. Enfin, 21,99€. Voilà. Sachant que bah, je prendrai le lustre quand j'aurai un peu de sous pour compléter, puisqu'ils font le lustre comme ça, mais le lustre il est un peu plus cher, il est à 60 et quelques euros. Donc voilà, bah, voilà, j'ai fait le tour. Et puis en fait c'est pour ça que du coup je suis partie sur ce style-là aussi pour les encadrements. Dommage que j'ai pas d'autres formes, mais en fait ça me va bien parce que dans le couloir... je pense que ça va bien aller tout ça ensemble. Donc voilà le résumé de ma petite journée magasin, shopping. Et je crois que j'ai rien oublié. Niveau nouveauté, loisirs créatifs, ben, y avait rien.
Vous avez les blocs pro, ah oui, les blocs 30-30 en promo. Donc, ils sont à 1,99 au lieu de 2,59, je crois. Ou 2,89, vous savez, les brillants. Niveau bloc 30-30 normal, toujours pas trouvé mon chouchou qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Vous savez, le vintage là, voilà. Donc pas de nouveauté, même la peinture grise qu'il y a d'habitude pour la home déco à Action, il n'y en a plus. Vous savez, les gros bidons, un peu comme ça, mais en gros, il y a marqué déco dessus. En gris, il n'y a pas. Donc non, franchement, le rayon loisirs créatifs, toujours aussi vide. Hein. Bon, ben tant pis. Hein. Faudra que j'essaye d'y aller un autre jour. Voilà. Non, mais écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. Je suis désolée, mais j'étais obligée de le faire assez vite, puisque je suis très prise par le temps et que du coup, après, je ne pourrais pas le faire avec tout le monde autour ce soir. Donc, voilà. J'ai une autre vidéo à faire aussi et je ne sais pas que si je vais la faire. Je vais finir aussi la boîte Gorgeous. Donc voilà. Ben écoutez, moi sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.